Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu, on est sur Minecraft PS Vita, vous l'aurez remarqué, grand retour sur Minecraft PS Vita, on est sur une map au hasard. Et aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour, les mises à jour qui sont sorties, puisqu'il y en a eu plusieurs depuis la dernière. Alors, ces mises à jour, elles sont sorties il y a pas mal de temps. Pourquoi je vous en ai pas parlé? Parce que j'avais le brevet blanc, après j'ai oublié, ça me sortait de la tête, et là je me suis dit, bon tiens si je faisais. Donc, on est parti. Ouais, on est parti carrément. Donc en gros, il y a eu deux véritables changements. Donc premièrement, si je vais là, c'est pas pour n'importe quelle raison. Il y a eu un nouveau pack de skins gratuit basé sur Minecraft Story Mode, qui était, vous savez, Minecraft avec Telltale, là, donc le Minecraft avec de l'histoire et des QTM, enfin voilà. Et il y a eu, suite à ça, un pack de skins qui est sorti sur Minecraft PS Vita. Je virerai ça parce que ça gâche tout. Voilà. Donc ce pack de skins, je pense, c'est l'un des meilleurs sur PS Vita en termes de passable. En fait, il passe partout, simplement. Pourquoi on a du mal à voir? Attendez, je vais se mettre là. Peut-être parce que je baisse là, un petit peu la nébulosité. Ok. Voilà, c'est un peu mieux. Donc vous pouvez voir que le pack de skins est franchement beau. Tu vois, genre ce skin, tu vois, par exemple, je peux m'en servir partout, tu vois. C'est vraiment un skin accessible partout. Je pense que je m'en servirai, hein, tout simplement. Donc on avait eu ce pack de skins. Alors il me semble qu'il n'y avait pas eu d'autres changements en jeu. Mais il y a eu un changement très important. Niveau des trophées, puisque vous remarquez, extension pack 1. Oui, puisque moi j'avais 100% platine. Mais on a un nouveau pack de trophées splendide. Hein. Donc je découvre avec vous. Donc faire apparaître le Wither. Tuer le Wither. Créer et activer une balise, donc ça c'est sur le Wither. Manger une pomme entaillée, c'est quoi une pomme entaillée? Je sais pas, peut-être une erreur de traduction. Tie and die. C'est parce que c'est en rapport avec une coiffure. Bref, teigner 4 pièces uniques d'armure en cuir, faire rebondir 30 blocs au-dessus d'un bloc de slime. Ok, les trophées sont pas si compliqués que ça, hein. Je m'attendais à pire, parce que j'en avais entendu parler. Alors vous savez quoi, on va faire quelque chose de splendide et incroyable. On va aller sur l'un de mes mondes de survie. Alors l'un de mes mondes de survie, hop. Sur le monde de survie, le plus avancé, c'est celui-ci. Hop. C'est mon monde de survie le plus avancé, tout simplement. Et je vais essayer de faire un trophée. Genre, qu'est-ce que je pourrais faire en vidéo vite fait. Après, j'en ferai. Si vous voulez, d'ailleurs, je ferai un guide des trophées pour ces trophées-ci. Mais. Alors, je pense qu'on pourrait faire Tie and Dime, puisque là, j'ai absolument tout le stuff du monde. Hein. Pas en give, ce qui me permet d'avoir les trophées. C'est d'ailleurs là que j'avais mon trophée platine. Alors. Oui, c'est mon monde de survie, t'as vu, il est bien. Comment on teint? Il me semble que c'est avec des genres des fleurs. On les transforme en... Oh merde, j'ai totalement oublié ça par contre. Voilà, là on a des pétales de rose et ensuite avec les pièces en cuir. Comment ça, non, du trophée? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Alors, le Wither on fera plus tard. 4 pièces d'armure, 4 pièces uniques d'armure en cuir. Ok. Alors, où sont mes armures? Je pense que c'était en bas. Tu sais, c'est trop bien organisé, j'adore cette map. Elle est parfaite, il y a tout le stuff qu'on veut et tout. Voilà. Le cuir. Alors, donc 4 pièces d'armure unique, donc ce qu'il faut faire, je suppose, c'est tout un stuff complet en cuir. Hein. Hop, hop, hop. Faudrait vraiment que je remette l'ancien mode de craft, hein, parce qu'il est bien plus pratique. Même si celui-ci est bien plus design PC. Hop. On va se faire les petites armures en cuir. Hop. Et donc, faut les teindre. Comment on teint? Comment on teint? Teindre. Là, non, j'ai le trophée. Tie and die, voilà, parfait. J'ai enlevé les notifs, hein, c'est pour ça que j'ai pas eu. Voilà, on a eu notre premier trophée de l'extension. Je ferai notamment un trophée pour le Wither, ça c'est sûr. Je ferai une vidéo entière pour le Wither, là, pour les trois, là. Manger une pomme entaillée, je me renseignerai. Et faire rebondir 30 blocs au-dessus d'un bloc de slime, je verrai. En gros, c'est rentre. Ouais, je vois absolument qu'est-ce que c'est. Donc voilà, on va sauvegarder cette petite progression. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour cette petite présentation assez rapide de la mise à jour qui est sortie il y a pas mal de temps. Et moi je vous dis à plus tout le monde.